Aujourd'hui, beaucoup de femmes dans notre société moderne se lancent et font carrière. Et j'aimerais juste savoir ce que vous pensez de cela. Des femmes qui se lancent, qui font carrière, qui gèrent leur foyer aussi, qui sont indépendantes financièrement. Est-ce que c'est bien ? Voyez, toute femme devrait faire ce qu'elle veut faire en tant qu'individu. Il ne faut pas en faire une tendance dans la société, ou la seule bonne chose à faire dans le monde. Parce que je pense que si une femme a l'intention d'avoir deux enfants et de les élever, je pense que c'est un travail à plein temps. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas aller travailler. Si elle le souhaite en tant qu'individu, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais avoir deux enfants n'est pas une question de reproduction. Vous fabriquez la prochaine génération. La façon dont le monde sera demain va être déterminée par le type de mère que vous avez aujourd'hui. Croyez-moi. Donc, pourquoi est-ce que... Vous savez, j'ai vu beaucoup de femmes venir me voir et dire, quand je leur demande, qu'est-ce que vous faites? Oh, je suis juste femme au foyer. Je leur ai dit, pourquoi dites-vous que vous êtes juste une femme au foyer? Vous ne semblez pas comprendre l'importance de... Vous savez, être capable de cultiver deux ou trois nouvelles vies. Ce n'est pas un travail pas important. C'est un travail très important. Il faut que je raconte ça. Vous savez, ma mère n'a jamais dit grand-chose. Elle ne me disait jamais « je t'aime » ou « tu m'aimes » ou quoi que ce soit de ce genre. C'est juste qu'elle a simplement vécu. Et on ne s'est jamais demandé « est-ce qu'elle nous aime, est-ce qu'elle ne nous aime pas ?» On ne s'est jamais posé ces questions parce que toute sa vie était consacrée à nous, vous savez. On sait qu'elle a vécu pour nous. Elle ne l'a jamais dit une seule fois, mais c'est tout. Et je ne peux pas imaginer cette partie de ma vie sans elle alentour. C'est juste qu'elle n'a jamais joué un rôle actif dans ce que je suis. Mais l'environnement qu'elle a créé, sans l'ambiance qu'elle a créée pour moi, je n'aurais jamais été ce que je suis, c'est sûr. Peu importe ce qu'il y a d'autre en moi, le terreau qu'elle a créé autour de moi, sans jamais interférer avec qui je suis, ce que je suis, juste l'ambiance qu'elle a créée autour de moi, et les efforts qu'elle a faits pour créer cette ambiance, elle a donné sa vie pour créer cette ambiance en sachant parfaitement bien que ça allait se répercuter quelque part. Et pourquoi quiconque pense-t-il que ce n'est pas un travail important? Dans ma vie, j'ai le sentiment que ce qu'elle a fait est la chose la plus importante qu'elle ait faite pour moi. Et une des choses les plus importantes qui me soit arrivée, c'est que, au début de ma vie, je n'ai jamais eu à penser à quoi que ce soit. C'est simplement qu'elle s'assurait que la toile de fond soit toujours là, sans que j'aie besoin de penser à quoi que ce soit, sans me soucier de ce qui se passe autour de moi. C'est ce qui m'a donné la possibilité de rester assis les yeux fermés pendant des jours et des jours. Autrement, ça n'aurait pas été possible, vous savez. Donc, la carrière, je veux que vous compreniez ça. En ce moment, comme on a rendu le monde entier économique, malheureusement, les femmes deviennent aussi stupides que les hommes. Comme si combien d'argent vous gagnez allait déterminer la valeur de votre vie. Non, c'est juste se procurer les choses dont vous avez besoin. L'argent, c'est juste ça. L'homme procurait, la femme s'occupait des plus beaux aspects de la vie. Maintenant, la femme aussi veut procurer. S'il y a un tel besoin économique dans la famille, d'accord, elle doit le faire. Mais ce n'est pas un besoin compulsif. Ça ne doit pas être érigé en quelque chose de mieux à faire qu'autre chose. Si elle chante, si elle joue de la musique, ou si elle aime simplement ses enfants, ou si elle cuisine merveilleusement, ou elle vit juste merveilleusement comme une fleur, c'est suffisant, vous savez. Il n'est pas nécessaire que ce soit seulement si elle gagne tant d'argent qu'elle fait quelque chose de valable. Autrement, non. S'il y a un besoin économique, elle peut le faire. Ou si c'est une passion pour elle, elle peut le faire. Mais ne laissez pas de telles valeurs s'installer dans le monde. Parce que vous n'évoluez pas, vous régressez. Vous rendez la survie plus importante que l'esthétique de la vie.